Bonjour à tous et bienvenue sur le 28.tv. Ça y est, nous approchons de la fin des soldes. En effet, mercredi 4 août sonnera la fin de ces 6 semaines de prix bas. Je me suis demandé alors s'il était encore possible de m'habiller de la tête aux pieds pour la rentrée. Je vais donc rechercher ma tenue dans deux boutiques sélectionnées dans le centre-ville de Chartres, à savoir Pinky et Cache Cache. C'est parti, suivez-moi. Plusieurs trucs, plusieurs vêtements, donc un top et un pantalon. Maintenant, je vais essayer de trouver une veste et des chaussures. Donc, je vais essayer les habits que j'ai trouvé à Pinky et voir si j'ai trouvé ma tenue. Voilà ma tenue pour la rentrée. S'il fait chaud, vous pouvez enlever la veste et accessoiriser votre tenue du coup avec un petit bracelet. Et le tout, la tenue ici coûte 57 €. Ah mais c'est pas un sol, c'est les trucs de sol qu'il faut regarder, non? Quand tu fais tes courses pour la rentrée, tu choisis vraiment que sur le style ou tu penses à la durée du vêtement, tu penses à sa solidité, toi tu Ah, c'est surtout sur le style et le look, franchement. Sur le style et le look en fait. Ouais, si ça me plaît, je réfléchis pas et j'achète. Et il y a des couleurs particulières pour la rentrée? Tu choisis ou... Après, ça dépend des goûts de chacun, mais généralement je pense qu'il faut plus être sobre le jour de la rentrée pour éviter de se faire trop marquer. Je pense qu'il faut... voilà, après, si on aime les couleurs, on a l'habitude de s'habiller en couleurs, on fait comme on est d'habitude et là, comment on s'habille. Tu préfères la discrétion, toi pour... je vais faire... Ouais, je préfère la discrétion, mais après, ça dépend de chacun. Il faut s'habiller d'une manière où on se sent bien, surtout. Je pense que c'est le plus important. Donc, j'ai trouvé un pantalon qui pourrait aller avec ce t-shirt blanc. Je trouve que ça peut faire sympa, un petit peu de couleur pour la rentrée et ça reste assez sobre et classique, donc c'est pas mal. Dans les chaussures, il n'y a pas ma taille dans ce qui est soldé, donc je ne sais pas trop sur quoi m'orienter encore. Ah, là-bas, il y a des chaussures qui pourraient être pas mal, mais elles n'ont pas l'air soldées, mais on va quand même regarder. C'est ces chaussures là, je trouve qu'elles sont un petit côté original. Alors par contre elles sont à 45 €, donc le budget ça va un petit peu augmenter, mais bon je vais essayer. Et il y a moins pointure, donc je vais essayer cette chaussure là avec la tenue, ça pourrait être pas mal.
voilà, j'ai ma tenue pour la rentrée avec un petit collier à 1€ pendant les soldes, un top, des bottines et un jean. Je suis donc parée entièrement de la tête aux pieds pour la rentrée. T'as préféré ce magasin par rapport à Pinky? Oui, je trouvais que les soldes étaient plus intéressantes, il y avait des prix très bas et beaucoup plus de choix, et il y avait aussi ma taille, donc c'est beaucoup mieux pour moi. Donc, est-ce que cette année les soldes ont bien marché? Ça a été un peu difficile, c'est pas ce qu'on attendait, mais ça a été quand même. D'accord, et est-ce que les clients étaient au rendez-vous quand même? Difficilement, c'était par vague en fait, ça dépendait des jours, c'était des vagues, voilà. C'était un peu difficile quand même. Et selon vous, en ces derniers jours de sol, est-ce qu'il est encore possible de dénicher des bonnes affaires? Il est possible de dénicher des bonnes affaires. Beaucoup de choses ont été mises à moins 60, moins 70. Il y a beaucoup de promotions là qui arrivent en plus après les soldes, donc oui, c'est possible. Donc c'est plus intéressant de venir à la fin ou au début des soldes? À la fin, forcément. Mais comme partout. D'accord. Voilà. Et bien voilà, j'ai terminé mon shopping dans le centre-ville de Chartres. Après deux boutiques testées, j'ai trouvé plus d'habits qui allaient à ma morphologie chez Cash Cash. Mais je vous recommande tout de même d'aller dans les deux boutiques car vous trouverez sans doute de bonnes affaires avant la fin des soldes. Merci à tous et bon shopping.